geniali flottano in frigidea, chi sogna della tele e al rocher. Répond pas au téléphone, sauf si on te téléphone, qui surtout t'ouvre à personne si on sonne. C'est la fille qu'elle fait la foire, tu lui racontes une histoire, si elle a soif, tu la fais boire, mais pas trop. Mais elle est quand même gentille. Elle prépare une thèse sur Kant, elle me fera lire. Elle a monté ses affaires, ses lunettes et son cartable. Posé son gros dictionnaire sur la table. Il n'avait pas beaucoup d'images, ma gamine n'a pas aimé. Elle a arraché toutes les pages sans presser. C'était plutôt mal barré entre la grande et la petite. C'était pas vraiment branché sur le prix. C'est normal, elle aime pas le gras, que son père. Sa purée, elle est caca, je veux une omelette aux œufs et un grand verre de coca, ou même deux. La baby-sitter est scellée, leur fil un chocolat, un yaourt pas très sucré, et puis une bête. C'est le de maman-papa, qui sont bons, qui cassent pas, et les bouses de papa-maman, qui balisent en attendant la fin de leur part. Déjà, elle veut plus d'enfants, s'écroule devant la télé, pas longtemps. Ma cabine arrive en pleurs, veut voir une cassette maintenant, celle des schtroumpfs et de leur bonheur écœurant. Puis qu'après on lui raconte une histoire où elle est où, une princesse qui annonce, et c'est tout. La baby-sitter veut bien, mais seulement après deux tiers. Ma gamine y colle un pain par derrière. Feu à l'appartement, ceci, cela.